aussi Joëlle Gauthier qui nous rejoint, il y a collègue Vincent Descoeurs du Cantal également, enfin je, vos collègues de d'Indre-et-Loire, Rémi Chintron de Saône-et-Loire, notre ami Gérard de Corrèze également qui est ici, donc le collègue du Lot aussi si vous voulez donc nous rejoindre. Et pendant que les collègues nous rejoignent, je voudrais porter à la connaissance de l'ensemble de l'Assemblée de cette déclaration pour une reconnaissance des territoires ruraux et du rôle des départements. Conscient du besoin de réponses concrètes à apporter aux habitants, aux entreprises, aux territoires ruraux durement touchés par la crise et souffrant aujourd'hui d'un sentiment de relégation, conscient de l'enjeu national prioritaire de contribuer à la relance de l'emploi et au maintien du tissu productif dans les espaces ruraux, considérant que les espaces ruraux rassemblent des ressources et des forces représentant un potentiel de développement pour le renouveau de la France, inquiet face à un projet de réforme territoriale portant le risque de priver les territoires ruraux de leur représentation politique, affaiblissant ainsi notre République, considérant la nécessité de politiques publiques de proximité contribuant au développement des territoires, à l'égalité entre citoyens, au renforcement des solidarités territoriales et sociales, affirmant que les départements jouent un rôle décisif dans le développement économique, la cohésion des territoires et agissent comme fédérateurs des institutions locales, nous, présidents de conseils généraux, demandons au président de la République de faire connaître son projet en matière d'aménagement du territoire national et la place donnée aux territoires ruraux dans cet ensemble. Nous, présidents de conseils généraux, demandons un diagnostic précis de la situation des départements afin, s'il y a lieu, d'adapter et d'améliorer nos organisations pour ne pas créer, à travers cette réforme, à la hussarde, des territoires de gestion technocratique et des lieux de relégation des populations. Nous, présidents de conseils généraux, encourageons les départements à se saisir de cette question en engageant des audits d'évaluation de l'efficacité de leur politique de proximité sur les territoires. Nous, présidents de conseils généraux, appelons l'ensemble des conseils généraux et des forces vives des territoires ruraux à se mobiliser, à participer au débat, à agir pour revitaliser les territoires et ne pas céder à la pensée unique qui vise à les priver de leur vitalité. Nous, présidents de conseils généraux, refusons la disparition des départements sous couvert d'économies substantielles à réaliser, mais non démontrées, ayant pour conséquence une régression du service public. Nous, présidents de conseils généraux, exigeons un débat national consacré à cette réforme et rappelons le rôle majeur et indispensable que jouent les départements, notamment ruraux, en termes de cohésion sociale et d'équilibre du territoire. Nous, présidents de conseils généraux, exprimons avec force non à la dévitalisation des départements, oui à la revitalisation de nos territoires. Merci. Alors, il s'agissait de l'appel de Nevers. Merci, monsieur le ministre, d'avoir pris bonne note de l'appel de Nevers.